Salut à tous, c'est Ricalcos. Mais que se passe-t-il? Pourquoi on est dans cet écran-là par rapport à l'écran d'accueil? Et ben c'est très simple, parce que j'ai tenté de rec et une minute après, je me rends compte que j'ai pas rec. Donc du coup, ben, j'étais en train de parler dans le vide pour la rediff. Bien qu'il y a Araka qui est là ce soir pour notre cher live. Salut Araka, au passage. Bon, enfin, toujours est-il que j'en étais où? Oui, les niveaux pour... les niveaux du monde, j'étais un super world et voilà, voilà. Voilà, je sais plus quoi dire, désolé pour le retour sur YouTube. Mais bon, vous avez rien loupé, vous inquiétez pas, tout va bien. Pour une fois, je l'ai vu juste à temps, le petit souci de double clic de merde. J'ai changé cette souris. Mais comment expliquer, une souris Razer Chroma, c'est cher. Hein. Donc me séparer de cette souris qui bug, ça fait mal. Bon, enfin bref, revenons à nos moutons. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ça. C'est Quasi, son Super World. Attendez une seconde. Excusez-moi deux secondes, il y a un problème. Ouais, c'est la soirée qui fait de partout. Tout est foiré aujourd'hui. Ouais, c'est ma journée, journée de merde. Bienvenue chez Ori. Aujourd'hui, je tente de défier les lois de la physique et de la logique. Je veux continuer un super monde, je suis au tout début. C'est trop beau. Ne dis pas qu'il a mis à jour son truc, ce trou du cul. J'étais là, j'ai pas fini. J'ai pas fini ton super world, tu me l'as mis à jour. Pas gentil. Ah, il faut que je le retrouve en plus, c'est tout maintenant. Je me permets juste de vérifier vite fait la redim. Je suis désolé. Voilà, c'est enregistré, on assume. Alors que j'ai fait déjà deux niveaux 3 la semaine dernière, vous sentez bien que mon cerveau il a pas supporté. Bobo là. Alors, vérification, nous avons le Super World 2. C'est pas le bon! C'est pas le bon! C'était pas le bon! Ah putain, ça veut dire que je vais avoir deux Super World. Ouais, non, on va enchaîner Super World niveau troll. Hein. Je comprends pas pourquoi j'ai Quasi là. Non, c'était pas lui, c'était lui! Lui, c'est plus tard. Comment ça se fait que j'avais plus son. Ah, oh, je suis désolé. Bon, j'ai perdu le chat. Hein. C'est la merde! En plus, je me suis arrêté à la vidéo au moment où j'écris QV. Il est jusqu'au bout, normalement. Ah, il est là. Je le vois. Parce qu'il me manquait une lettre! Il me manquait le F! Oui, je me rappelle. Eh ben, il me manquait toujours le F. Une semaine, il me manque toujours le F. Bon, heureusement qu'il y a la rediff cette fois. Oh. Ok, je récupère tout. Tout va bien. La vie est belle. Test. Hein, on sait jamais. C'est pas mon jour aujourd'hui, donc je devrais être extrêmement prudent. C'est peut-être parce que j'ai dit les mots magiques qui vont pas faire chier le monde. Faut pas que je fasse chier qui que ce soit. C'est bon. C'est bon, j'ai compris. Ok, on m'a répondu. Tout va bien, je suis vivant. Bon, je continue. Ouais, on était monde 4, c'est bon, tout va bien. Lui, il a pas. On était monde 3 même. Oh là là. Eh non, ça va pas aujourd'hui. Ça va pas. Je peux annuler ce live, je le sens très mal. Je dis que de la merde. Je dis un truc, il se passe autre chose. On m'annonce des trucs, finalement, ça fait autre chose. Non, c'est pas bon. Je vais foirer complètement ce Super World. La logique. Donc évidemment on est dans un Super War donc de Bup 64 Poké Pace. Ça devrait être assez chiant mais rapide. Même si ça va durer quand même plus d'une heure. Facile. Je sais que c'est pas des niveaux faciles. Mais assez linéaire au fur et à mesure. Faut que je disais ça mais. À chaque fois que je dis un truc, il se passe autre chose.
Y a pas de plantes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il avait mis des niveaux chiants la semaine dernière. Faut passer où les niveaux chiants? Ah bah ils sont là. Ça y est, on a un passage chiant. Avec des trucs qui perturbent. Attention, on va avoir un tuyau qui nous mène à la suite. Ouais, ça c'est sa signature. Il adore faire ce genre de truc. Là, on passe à la deuxième partie. C'est bien d'avoir donné la fleur de feu dès le début. Ça aide beaucoup. C'est bien de m'avoir donné une grosse boule de neige. Merde. Oh, mais je suis nul! Tout ça pour une pièce de 10 en plus, je me précipite pour rien. Encore confondre vitesse et précipitation. La boule! Elle est passée où ma boule magique? Ouais, en bas c'était dangereux. Fallait monter. Tiens, prends ça! Mais pourquoi je joue tout ce soir? Nul! La racaille m'a fini un niveau troll, mais je vais pas le faire! C'est pas bon, c'est pas le jour! Que moi je rate tout ce que j'entends. J'ai même pas parlé, je suis mauvais en tout. Je suis mauvais pour m'exprimer, je suis mauvais pour streamer. Et je vais finir quand même le niveau. C'est l'injustice. Je comprends pas la justice. Je comprends pas. J'ai pas réussi à avoir une vie. Bon, heureusement, je foire pas les niveaux, tout va bien. C'est juste foire tout ce que je fais sauf les niveaux. Tout va bien. Allez, je vais m'en saisir, merde. Je me reconnais pas là. Je sais que c'est incompétent. Frosted Knight. Frosties. Marque de Kellogg's. Ouais, mais mon humour il pue la merde. Ouais, voilà, c'est. Ah, c'est l'hécatombe, c'est pas. C'est pas la soirée. C'est pas la bonne soirée. C'est la merde. L'autre il jette de trucs, une boule invisible. Ouais. Mais non, mais même ça, j'arrive pas. J'arrive même pas à prendre un petit item qui me saute dessus. J'ai réussi à l'esquiver. Comment je fais? Même moi, je me surprends. Comment on peut être aussi mauvais? Ça plan Oricalcus. Oh, c'est pas bon, hein. Oh, on va pas faire de niveau troll ce soir. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Je joue mieux que ça, d'habitude. C'est parce que on m'a complimenté. Hors stream, on m'a dit ouais, tu joues bien à Mario Maker et faut pas. Ils ont me complimenté, c'est de la merde. On y a cru, mais c'est bon. Je voulais faire une glissade de toboggan. Non, c'était calculé. Ne refais jamais ça! Que je fais? Faire quoi ça? Juste à récupérer une putain de pièce de 30, fous de ma gueule. Il m'a fait un Nelson. J'ai mangé McDo. Hein? Menteur! Pas midi en tout cas. Peut-être ce soir, hein, mais pas midi. Je sais ce que t'as mangé à midi. Si, demande à madame, j'ai tombé un petit McDo sur la route. Ah, voilà. Le soir, on est d'accord. T'as mangé McDo.
Arrivé. J'ai eu la vie, ouais. Ah ouais. C'est pas des niveaux difficiles, mais... Ce soir, un challenge. Je suis rentré. J'ai eu un McDo. J'étais sur la route. C'était le McDo de trop. Ah, ça se passe bien, les McDo. Abyssal Ship Week. Wouh! Oh, quelle horreur! Je suis pas concentré et je vois rien. J'ai pas besoin de mes lunettes là pour ce niveau. Oh là là, il y a des boules. Il y a un trou! Là! Il y a un trou! Il a mis des trous! On est monte 3. Moi je sais que monte 3 ça commence à se compliquer. Il met un tuyau, ouais. Bon, c'est pas un niveau troll, je peux prendre le tuyau en toute sécurité. C'est pas de sécurité du tout ça! J'ai peur! Il y a des poissons torpilles! Comment je me suis pas fait toucher? Mais moi je demande à me faire toucher là! Tu vas aller où? En bas. Il y a des plantes, il y a des plantes! Ça arrive vite! Il y a une plante cracheuse de feu! En haut! Checkpoint! Attends, y a... non, y'a pas de trou. Ah! Non, y'a pas de trou. Enfoiré. Il donne des fleurs direct, y a deux niveaux et maintenant il. Non. Enfin, tu... Encore dans l'eau. La thématique, c'est. Ouais, je me fais harceler là. Bon, moi, ça fait de la lumière. Chaud la casquette. Oh, tout va bien. Au bas, au bas. Comme un marsupilami, quoi. Au bas, au bas, au bas. Allez, hop. Au. Au. On reste en haut. Il y a un passage secret. Lui, il me met des cases au bloc maintenant. Là, il y a un truc secret. Wow! Yeah! Oh, ça nique les yeux, là, dans ce coup de tout, voir. Prends ça à la vue. Ah, tu peux même choper une vie en fonction surtout. Comment ça, il n'y a plus de d'étoiles là. Ça va. Made it. 13 minutes, ouais, c'est à peu près. Ouais. Oh. Ah, c'est le 3-3 quand même. Ah ouais, faut que j'accélère un peu là. Je dois mettre 15 minutes par. Ouais, si je mets 20 minutes par monde, on s'en sortira jamais. Là. Bullet Bill Summit. Might. Meet. Je sais pas. On en a croisé tout à l'heure des Bilbo. Oh, j'aime bien ça. Ah, j'aime moins bien là d'un coup. J'aime pas trop l'ambiance là. Tuyau. Il y a des bilbos saqués partout. Et on se croirait dans les montagnes ou au monde 6 là, dans les vrais Mario. C'est vraiment ça, hein? Oui! Pas le moment de perdre ton bonus. Il y a un choup! Toboggan! Il a mis des choumes partout. Oh, je passe. C'est l'arrivée. On fout des pièces. On veut la vie. Peu de respect. La vie.
Donc tout à l'heure, en tournoi, on a eu le droit à la mort ou Titi. Tout va bien. Allez, un château, ouais. On avait fait qui? Oh, je me rappelle plus. C'était pas Larry, je crois, dans ce monde-là. Enfin, dans Super Monde. Il a changé, il avait mis un Lemmy, je crois. Il s'est trompé dans l'ordre, c'est pas les mêmes Koopaling. Prise Flamme Castle. Ah, oh, il a fait un château feu glace. Non! Non, il a fait un château feu glace. Ah, oh, je meurs sur un Skull Rex. Je pouvais mourir par le feu, par la glace. Je suis mort dans un Skull Rex. Dans un niveau qui est. C'est hors sujet! D'être mort comme ça, c'est hors sujet. Et il me donne une fleur juste après. J'avais mille fois. Ah, oh, il a mis ça! Mais ils sont invisibles! Regardez ça, ils sont trop bien planqués. Ah, d'accord, il y a aussi le fait de la fatigue qui fait que je les ai pas bien vus. Et là maintenant c'est les stalactites qui tombent. Eh oui, les stalactites qui tombent. Les stalagmites qui montent. La base. Ouais, mais après il y a deux Skull Rex pendant que. Voilà quoi. Dépêche-toi, 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 merci. J'ai pas dit s'il te plaît, c'est vrai, je suis pas bien. Oh, on peut passer. Attendez, on va passer. Oh, passage secret. Salut, Tradimensio. Bah ouais, tu m'as manqué là. Bah, j'ai envie de dire, vaut mieux. Ah. Ah. C'est moche. J'étais bien. Et là, dans ce coup, j'étais moins bien. Oh, je recommence à zéro, il n'y avait pas de checkpoint. Ah, Joubi, il y avait les. Oui, il y a ça. C'est trop bien caché, hein. Franchement. Je retire ce que j'ai dit, c'est même la fatigue. Non, c'est pas la fatigue. Là. C'est bien caché. Franchement, un bon point pour changer. Reconnaître les bons points. Hé eh, c'est Heidi. L'aime de l'enfer. Je fonce, mon fou. Plus de trucs. Bon, plouf, plouf. Je prends le truc et j'essaie de passer. Ou... Ah, je pense que je vais passer comme ça. On s'en fout de la pièce de 30. Mais on s'en fout pas de la pièce de 30, en fait. Ah, ah. C'est trop con. C'est trop con. Je suis débile. Ah, la pièce de 30, elle est très bien. Je l'adore. Je kiffe cette pièce. Je vais la prendre souvent. Désolé, je crie trop fort. Je m'exprime. Je m'exprime. Mais on sent que d'habitude, je joue mieux que ça. Là je fais de la merde de A à W. Mais pourquoi il faut que ça monte? Merci, c'est mieux la descente. J'attendais le bon rythme. Ni avant qu'il soit trop tard. Ni avant qu'il soit trop tard. Bon. Pardon, pardon. Jamais faire ça, surtout là où je vais arriver. Bah heureusement que le checkpoint est avant le Koopaling. Par contre, la lave elle monte super vite après. Et comme tu vois pas trop la hauteur derrière. Pas le genre. Mais ça va trop vite, je suis obligé d'y aller à pied en fait. Putain. Oh, c'est hardcore. Je me permets d'essayer de le faire, mais. Bon, c'est mal foutu. Je me permets de mettre ma mauvaise foi. C'est mal foutu. Pas trop vite. Ne pas confondre vitesse et précision. Passe en force. Passe en force. Passe en force. Merde, merde, c'est juste un champignon. Je passe moins bien en force.
Je prends la pièce de tente. Stalactite, c'est une bête air. Ah oh ouais, mais faut maîtriser le saut mural. Oh putain, le bâtard. Mais quel enfoiré! Il a mis ça! Mais il abuse! C'est pas le moment de m'apprendre des techniques là! Je suis fatigué! J'arrive pas à passer ce passage. Pourtant, c'est pas un passage difficile, hein. Faut pas chercher à faire compliqué ce soir, hein. C'est mort. La difficulté, c'est un niveau de merde. Un niveau tranquille en plus, hein. Maintenant, la difficulté. C'est pas grave, je suis déjà en fleur. Hop, 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 tac, tac, tac. Et là, je suis en fleur. La précision des sauts. Putain de... truc de merde. Ah oui, mais tu es obligé de crever comme une merde ici. Et il y a le checkpoint juste là. Non, mais quelle injustice. Je vais me faire défoncer par là. Merci le checkpoint. Ah, même pas. Bon, j'ai rien dit. C'est Guy. Oh putain. Ouh, c'est mauvais ça. On peut le blesser avec un stalactite? Pourquoi, hein? Oh, mais je... il a sauté en même temps que j'ai sauté. Je suis trop nul. Je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais. Mauvais. Je suis le niveau 0 de la vie sur Terre. Je suis très très mauvais. Oh, je mets plus de 20 minutes à faire un monde noobie là. Oh, mais nul! Mais nul à chier! Mais je suis... comment je peux être aussi mauvais? Mais c'est pas moi qui joue, c'est pas possible! On est d'accord, je joue mieux que ça d'habitude! Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est même pas un niveau troll, c'est un niveau tout mignon! Un boss tout gratuit là! Regardez, il est gratuit! Bon, je me prends des stalactites de merde, mais. C'est gratuit! Arrête de faire le con, Ori! Ça fait rire personne! Ah oh, mais là, il s'est mal placé! Ouais, je pensais qu'il montait sur un ballon. Il me reste 9 vies hein, quand même. Wouah, je l'ai désingué. J'ai pas fait exprès. Oh non, mais là, non. On arrête la fatigue. Hein. D'un moment, la fatigue, elle a bon dos. Elle est pas fatiguée. Ah non, je fais que de la merde. Heureusement que c'est qu'un jeu, hein. Imaginez, ça aurait été un examen. Oh la cauchemar, le premier qui me cassait les couilles. Il y a des grands-mères que je vais déterrer. Ah GG, mon 3, c'était vachement dur. Putain, j'ai un niveau 3 à faire après. 23 minutes. 23 minutes, le temps de trouver le super monde que j'avais pu sur ma liste. Un autre super monde. Keyway Mineshaft. On est dans la grotte. Très joli. Quand tu m'expliquerais pourquoi il y a ce genre de truc dans les grottes. Autant dans le sens vers le depuis le, les hauteurs, je veux bien. Mais depuis le sol, à quoi ça sert à part parler débile comme moi, quoi. Là, ça fait penser, voilà, approfondir un trou. Pourquoi pas? Ça, je comprends pas. C'est un obstacle, casse les couilles. Bien sûr, on met trois Goombas empilés les uns sur les autres pour faire chier, regardez ça. On fait chier au moins pendant une demi-heure. Et tout ça pour avoir un champignon que j'ai déjà. Mais quel égoïste ce type! Voilà, ça c'est généreux. Le monde des cavernes. Eh, c'est pas ce que j'ai vu.
J'ai vu un autre tuyau sympa là. Il est où le tuyau sympa? Je me suis fait arnaquer, je pensais que je me retrouverais au-dessus, mais en fait non. Je me suis retrouvé je sais pas où. En tout cas, ça creuse. Pas que ça donne faim, mais ça creuse. Ah! Mais c'est nul! Mais faut pas faire des trucs comme ça, monsieur! Mais dans un endroit, je peux. Si je suis pas réactif, mais attends, je. Ouais, je suis revenu. Ok. Ah! Attends, ça saute pas! Ne saute non plus! Donne-moi un champignon, s'il te plaît! C'est pas la fin du niveau, hein. C'est loin. Faut sauter, la précision. Oh, mais le dernier est piégeur en plus! Mais il fait des coups de pute maintenant, le mec! Au début c'était un peu dur mais sans plus, maintenant il fait des blagues, il fait des niveaux troll. Ah non, il a pas le même défaut que les autres. Il est capable de faire des bons niveaux quand même. Ah, il y a quand même des gens qui survivent, hein, 2, 3, 2 quand même. Il y a des gens. Alors moi je suis pas mort. Ouf, Piranha Plant Pipway. Ah, comme si j'en avais pas vu assez. Il a pas fait une sorte de labyrinthe, j'espère. Parce qu'il y a des niveaux comme ça où c'est labyrinthique dans les cavernes. Et là, faut maîtriser tout et toutes les techniques. Par exemple, le saut mural ici. Tout ça pour une pièce de 30. Je m'arrêtais largement plus. Je vous cache pas que je suis déçu. Hein. Ouais, c'est bon. C'est le vert qui était piégeur. Saut de l'ange. Oh. Bah tant pis. Je veux dire que je pouvais passer au-dessus de la pièce de 30 et continuer le niveau comme si c'était le niveau 1-2. Oh non. J'ai raté ça. C'est mauvais à ce point-là. Mais moi je me surprends. J'ai un niveau de mauvais là. N'essayons pas d'atteindre le niveau très mauvais. Bon, question à deux balles. À quoi sert ces 6 pièces? Tu crois vraiment que je vais faire des sauts muraux juste pour récupérer 6 pièces de merde? C'est pas un saut facile en plus. Hein. C'est créateurs de niveau qui croient vraiment qu'ils ont l'espoir que je récupère une pièce et me suicider quoi. Pour une pièce! Une vie, je sais pas moi. Une étoile. Et je sais le faire. Aussi, t'as vu, exactement comme toi, je sais pas viser et. Je sais cracher des flammes. Ça dégage. Toi aussi. Toi aussi. Toi, je peux pas. Bah, le Goomba, il a pris une boule de feu perdue. Mais il met des lignes de plan de piranha de merde là, arrête! Putain, c'est un vrai niveau! Oh, tu n'allais pas le faire 4 fois, normalement, la logique c'est 3 fois, pas plus. Je répète 3 fois le même obstacle, c'est bon. Pour être sûr qu'on arrive à le passer. Oh, il a mis des lianes dans les cavernes. Quel coup panique je pense affronter dans ce monde. Je sais même plus si j'ai affronté Roy. Je crois que c'est Roy, hein. Parce que c'était Morton Junior qu'on a affronté très tôt. Et lui, il respecte pas du tout la logique, donc... On a eu le droit à Lemmy dans un niveau fleur et glace et feu. Là. Je ne comprends pas sa logique, ça va être difficile. Hein. Logiquement, c'est censé être Roy, là. Bah, logique, hein. J'ai même vu des chompes. Il y a des chompes, mais on n'a pas vu Iggy. Et c'est qui le premier qu'on a affronté? C'est pas Lemmy qu'on a affronté avec lui. Je confonds pas. Hein. Je commence à avoir fait tellement de super awards avec toi. Il me redonne ça, il adore cet item. Douk, 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 douk. Douk, Devlin. Douk, Devlin. Au-dessus, ça a l'air très safe. Juste des big bêtes qui traînent.
Mais jette ta boule, t'as mis trop de temps. Peau de l'ange. Je refais bien. J'ai vu un truc là-haut, ça sent le passage secret. Eh ben non, c'est un tuyau de merde. Non, je déconne. Tu as battu Larry. Ah bon. Ça pour une pièce de 30. Oh, je suis encore plus déçu. Un passage secret, ça se mérite. Voilà, pour rappel, je me mets une pénalité, je ne mérite pas ce truc de merde. Oh, il a trop bien fait. Il a trop bien fait. Ça, c'est très bien fait. Et je fais quoi si je le tue par accident? Bon, déjà, faut le chercher pour le tuer par accident. Ah ouais, là, c'est bien. Là, ça, c'est un vrai niveau. Enfin, l'originalité. On est sur une thématique entre deux boules. Bon, ça n'a pas duré très longtemps et... Je vais rester sur ma faim. Je vais pas vous cacher. Il y avait moyen d'exploiter un petit peu plus, je crois. La prochaine fois, quand je complimente, allez jusqu'au bout du concept, je sais pas, moi. C'est un truc. Oh putain, en plus, il y a un saut de l'ange à faire. Il a pas prévu qu'on pouvait être des pauvres merdes et qu'on est obligé de faire le truc tourbillon. Ah, Big Ben. C'est un peu gros. Oh, je suis méchant. Fais-moi penser à Raka. Quand je recroiserai Big Ben, je lui offre un truc. Et tu me rappelles la raison parce que moi, ma mémoire à la con. Ouais, pas d'orientation et problème de mémoire. Hein. C'est beau. La gueule du streamer. Une pauvre merde. Il est fatigué, il a fait un tournoi, il a tout foiré. Ça, on joue fun. On assume. Wicked Passage. Passage étroit. Ça pique un peu, là. Oula. Oh, ça défile! Non, je suis stressé là! Faire de la merde! Trampoline! Un trampoline! Qu'est-ce qu'on fait? On prend le Big Bow! Mais je peux pas me baisser avec les trampolines! Je peux pas me baisser avec les trampolines! Il me casse les couilles! Ça m'a plus handicapé qu'autre chose, la trampoline! Il y a un hérisse qui peut me tomber sur la gueule, je le sens! Vous me croyez si je vous dis que je m'amuse quand même un peu là? Là il y a du concept. Hein. Il y a du con, il y a un con. Et on n'est pas 7. Il y a 7 coupes à ligne à la rigueur. Bon, est-ce que je peux avoir le skill? Le skill. Il y a que ça devrait. Ça réveille le skill, regardez. Oh le skill commence à réveiller. Il nous force même à faire le saut mural. Hein. Il nous a appris à un ou deux niveaux. Oh, l'esquive sur le côté! Oh là 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 là, le champion! Ah ouais, quand même, il me donne carrément la fleur. Ah, la peur. Bon, le skill pas obligatoire. Il y a de sous mural. Mais arrête de faire tomber des iris de partout, là! Ça te fait casse-couille! Je dis pas ça parce que je me suis pris celui-là! Un petit peu. Attends, il y a un iris, à droite ou gauche? Aucun des deux est resté en haut. Putain, c'est imprévisible, Aniris. Non, j'ai pas envie de descendre. Et Manu? C'est quoi Manu? Pourquoi faire? Bon, on a un Bilbo. Une vie! Il va aller à droite! Eh ben, non seulement j'ai raté la vie, mais en plus j'ai perdu une vie. Merci. Vie de merde. À droite parce qu'il y a des iris qui nous tombent sur la gueule. Ah, ils mettent du temps à descendre en plus. Hein. Ah, je sais pas viser. Attendez, il y a les iris, c'est vrai, il y a les iris qui me tombent sur la gueule encore. Ah.
Pardon, excusez-moi. C'est ma connerie qui ressort, ça y est, j'ai été intelligent. J'espère que ça va pas saturer mon micro, parce que mon micro, il supporte pas les éternuements. Donc je pense qu'il va y avoir un réflexe d'Ultra Dimension ou d'Araka qui me dira le micro. On s'en fout de la vie. Allez, ici tombe plus, tant mieux. Attention, droite, gauche, à droite. Et à gauche, ça tombe. J'ai arrivé. Perdu une vie parce que je voulais en chercher une autre. Voilà, ça résume bien le niveau. Sympa quand même. Les gars, il commence à y avoir des vrais niveaux par rapport au début. C'est moins répétitif par rapport au début. Au début, ça faisait du gauche-droite, chill au milieu, c'était chiant. Et la difficulté, c'est pas ça. On a un début où on découvre le jeu assez hardcore. Et ça, la difficulté, elle se stagne un peu quand même, je trouve. Même si j'ai perdu plusieurs vies dans le château feu et glace, mais c'est ma faute. Là, par exemple, on va faire un autre château. Météorite Fortress. Ah, déjà, rien que le nom, ça me fait peur. Et on est quand même au monde 4. Et ça défile encore. Et la lave, elle monte. Je veux le champignon. Casse-toi, la lave. Oui, j'ai perdu mon record dans The Forest. D'accord. C'est beau. D'accord, il porte bien son nom. Hein. Il y a deux Bowser au-dessus. Hein. Si vous voulez connaître le trucage, il y a deux Bowser au-dessus. On a un gros et un petit. Le gros me fait chier avec ses grosses boules. Et le petit, ben, me crache des petites boules. En plus, c'est... Ah non, j'ai cru pendant une seconde que c'était bien foutu. Parce que ça faisait automatiquement. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas de cul. Voilà, d'un seul coup, c'est un enchaînement de niveaux qui défile, mais c'est impressionnant, hein. Là, faut le faire. Alors là, par contre, ça, c'est une idée à la con. Ne faites pas ce genre de truc. Sauf si c'est bien foutu, hein, parce que là, c'est à part le défilé de gauche à droite, je vois pas ce qu'il pourrait faire. Hein. Voilà, ce genre de truc à la con, vous avez vu comment ça ralentit. C'est-à-dire que si je l'aurais commencé très tard, il était possible que bah, le niveau m'aurait rattrapé. Donc ne mettez pas ce genre de truc n'importe comment. Là, ça... Bon, c'est Roy. Roy, il est gratuit. Hein. Il est gratuit. J'ai rien dit. Putain. Même deux gros bilbos de merde. Hein. Putain, il a décidé de le faire. Oh bâtard. Ah c'est bon. Ouais, gratuit mais pas trop non plus. Hein. Je rappelle la fatigue. La fatigue, Ori. Oh, une vie qui vole, la vie que j'avais perdue, il s'est envolé vers moi, c'est trop mignon. Ah non, là c'était mignon. J'ai aimé. Ah cette vie là, c'est plus 2 points pour Gryffondor. Une 55, hein, juste parce que j'ai fait un boss de merde. Il fait trop lent. De 10 secondes. Tchou ! Ah, la forêt, c'est Iggy ! C'est Iggy, c'est sûr, c'est Iggy. Et pour Iggy, il n'y a que 3 Pecno et moi, donc ça fait 4. Et le monde 5, la jungle forêt, un classique, la jungle en 5e monde depuis Mario World et New Super Mario Bros, oui. Oh non, c'est pas une jungle. Wiggler, ouais, il y a des Wigglers. Non, c'est pas une jungle dans Mario World. C'est une sorte de forêt hantée, là. C'est où tu tournes en rond, d'ailleurs. Blablabla. J'ai réussi à me faire toucher, mais je suis trop nul. Putain, il faut une catégorie à moi, là. Ça s'appelle la sous-sous-merde. Des chip en dessous.
Ah, il aurait pu mettre un petit passage secret, ça se voyait pas trop là. Vous avez vu? Si vous pensez à enchaîner les lianes, vous savez, c'est... Oh non, je dois pas recommencer là. Je peux remonter là. Si, on peut remonter sur un moment entendu. Fais que de la merde. J'ai arrêté un super monde à cause de ça, hein, à cause des lianes. J'avais la flemme. Alors, arrête de faire de la merde. Maintenant on est vénère. Allez, Ori vénère. Qu'est-ce que c'est un Ori vénère? Eh ben c'est ce Wiggle en fait. Le Wiggle qui me casse les couilles. Putain. J'ai vraiment tout foiré ce que j'entreprends là. La vie est nulle. Je vais partir en dépression après avoir fait un tournoi de merde et... Putain! Qui veut pas partir en dépression après ça? Ça détend, tu joues, tu détends. Donc que dalle, ça veut dire. C'est même pas un niveau troll en plus, c'est juste un petit niveau tout sympa. Pour le créateur de niveau, putain! Qu'est-ce que c'est cette hitbox de merde? C'est le mec qui trouve une excuse pour tous les... Blé. Ça m'énervait. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les développeurs de niveau, à faire créer en monde 5 des sauts de liane aux liane? C'est chiant. Pas fait pour moi, les lianes. On peut sauter de liane en liane, là? Je dois vraiment faire ça et... On peut pas là, on est d'accord. Il arrête de se foutre de ma gueule. Ah, oh, le saut de ouf. Oh, ça passe. Mais non, mais c'est Luigi, il fait de la merde aussi. Bah ouais, l'eau, il est redescendu, remonte l'eau. Voilà, ça passe, j'ai dit. Heureusement, hein, parce que putain, là, je crois que tu passes le coup pas, c'est fini. Là, c'est un niveau mal foutu. Tu peux te bloquer comme une pauvre merde en fait. Bon, il y a le plan de secours que je connais, mais bon. Là, là. Putain, j'ai même pas fait la moitié. La forêt jungle, j'avais dit. Tu regardes. La forêt jungle. C'est pas une forêt jungle classique. Elle était pas mauvais. Tu serais mauvais. Tu n'aurais pas pu arriver au monde 5. Donc ça veut dire que tu gères bien. Mais je me fais arnaquer encore. À chaque fois. J'ai oublié que c'est dans son truc. Si tu prends pas le passage secret, il te met des cases au bloc. Comment ça, j'ai gagné une vie? Je méritais pas de gagner une vie. Wow. Vas-y, le prends pas mal. J'ai sauté sur ton dos. T'es un mort d'homme. T'es obligé de sauter par-dessus. Je voulais donner une fleur à un chip-chip. Vous voulez savoir ce que ça faisait? Là, il y a un putain de passage secret de ces morts. Une pièce de 30. Putain, encore déçu. Ah ouais, mais là, je me suicide sur le coup pas, là. C'est nul. Pas de pièce de 30 en plus. Bon, pour 10 euros, je me suicide pas. Ben, c'est pareil, pour une pièce de 30, tu vas pas te suicider. C'est peut-être pas le même délire dans un Mario. Est-ce que t'es prêt à te suicider pour une pièce de 30? Blep! Blep, blep! Putain, il est. Ah ouais, c'est le truc de ouf! Oh, il m'a écouté, regardez, il a mis beaucoup plus tard. Le passage secret ici. Alors, il va faire un gros dodo ce soir. Non. Je ne peux pas dormir. Je dois upload mes vidéos. Et je rajoute des openings pour GTA San Andreas. J'ai trop de taf. Je vais avoir du taf cette semaine alors que en bénévole quoi. Chiant.
En tout cas, depuis que je suis affilié, je gagne des sous. Je suis content. Ça prouve que malgré que je suis une pauvre merde là, ça va. Rock Treeway. 5-2, allez, il faut tenir. On aura un niveau troll juste après et la semaine prochaine. Je viens de mourir sur un Koopa. Ah, c'est pas la première fois, mais là. Ça, c'est la base. T'as même des lianes qui te donnent de faux espoirs là. Ah, bah c'est vrai, il y en a deux. Bonjour les gars. Pauvre merde. Non, ça s'écrit comme ça. Regarde, je vais te l'écrire. Pour que tu le fasses correctement. C'est pauvre merde. Et voilà, il suffit que j'écris avec le chat et regardez, je le passe easy peasy le truc. Bon, il y a un E après à la fin. Ah, ouais, voilà, on a une preuve que ça va être Iggy le prochain. Il y a un chomp. Par contre, il sent quand même que ses niveaux sont hardcore, il ne met que la fleur maintenant. Eh bien, frère Marteau, il y a un chomp. Hey Iggy, on sait que c'est toi. Mais c'est que je te bute, enculé. Putain, arrête de copier-coller. Il a copié-collé le niveau, je l'ai vu. Il a mis exactement les mêmes obstacles au même endroit. Une fois ça va, deux fois ça me casse les couilles. Checkpoint. Ah, le skill. Oh, le skill. Pauvre merde. Ah, putain, ça pue ça. Il va enchaîner les frères Marteau. Bah ouais. Bah ouais, copier-coller, on l'a vu. C'est prévisible. C'était sûr, en fait, c'était sûr. Ah, oh, il a mis les deux coups pas de début. Je peux pas me permettre de le tuer, il est en mode... Attendez-moi. 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 Je pouvais pas. Il était trop mignon. Ah, ça suffit, vous deux. Vous noterez que aucun frère Marteau n'a été blessé durant ce niveau. Vous n'avez touché aucun. J'ai même pas pensé à aller les chercher. Une 45-48 secondes. Eh, profitez un peu des niveaux, les gars. Et moi, je vais un peu de vie. Pas de baseball. Oh non, mais... Je vais niquer ma... Putain, j'ai eu que 3 vies. Alors je voulais paniquer non plus. Moi je suis un radin. Après ils ont proposé un truc. 3 jeux Mario. Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy. Je dis, ouais, pourquoi pas. Alors, tu regardes 60 euros, je dis non. Baissez un peu s'il vous plaît. M'intéresse pas. Surtout que sur les 3, j'ai l'opportunité d'en jouer à 2 là. Bon, Grape Soda River. Soda? Soda Dungeon, je reconnais. Avec les aventuriers qui rotent. Ah hey, on fait pas des frayeurs comme ça. Surtout quand on est fatigué. Rythme! C'est bon, j'en ai. Bon, bon, il a fait copier-coller. Attends, on va voir exactement, voilà, le même obstacle. En plus petit, ah, il a fait un demi-copier-coller. Ah ouais, j'ai senti arriver celui-là. T'es vu. T'es raté. Toi aussi, tu m'as raté. Ah, tu m'as pas loupé cette fois. Le créateur a fait quelque chose d'original vers la fin du jeu. Et ça change un peu la formule des autres super mondes que tu as fait. Ah, parce qu'il faut que j'aille jusqu'à la fin pour le découvrir. Pas de cacher, il va pas avoir une bonne note. Hein.
Alors peut-être que la fin va rattraper. Hein. Puis j'ai jamais noté les super mondes. Hein. J'ai donné mon point de vue après. Un point de vue plus ou moins sincère, comme d'habitude. J'ai pas le rythme. Il crée un petit décalage, vous avez vu? Ça fait 1, 2, 3, là tu peux sauter. Et c'est un peu moche ça. Des bons niveaux mais qui sont gâchés par 2-3 petits détails à la con. C'est dommage! Le bâtard. Je les ai vus venir les tuyaux, je les sentais mal. Oh, j'ai du cul. Alors moi je suis pas mort. J'ai pas eu la vie en sautant. Je suis tombé, j'ai failli tomber dans le soda. Pas mal d'avoir appelé ça soda pour changer. On croirait même plus que c'est du poison quand même. C'est du soda, monsieur. Bon allez, j'espère que c'est pas un niveau difficile, je l'attends, il reste 10 minutes. Après il y aura la coupure. Abyssal Riverbed. 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 Encore ! On l'a eu tout à l'heure. Au bas. Avec Marsupilami. Ah pardon, il a rajouté des poulpes. C'est vrai, c'est pas exactement le même niveau, il y a des poulpes. Au bas, voilà, ça c'est Marsupilami, hein, la technique qui marche. Voilà, là c'est haut, voilà. Là, il est pauvre. Il a mis des interrupteurs on-off maintenant. Là c'est bas. Voilà. Hop, on remonte. On va faire bientôt haut. Ah, faut descendre. Ok, il y a un pseudo-labyrinthe avec des... Et on-off bien caché. Là, il y a une place de 30. Voilà, là, c'est haut. Là, c'est bas. Haut, bas. Voilà. On s'en fout. Une fleur. Bas. Voilà. Haut. Ah mais je peux pas faire haut bas en même temps, c'est... Faut se décider là. Bon, haut. Ah finalement bas c'est bien aussi. Bon bas. Il y avait quoi en haut sinon? Le mec a pas de chien quoi. Bah où? Waouh. Oh. Bas, très bas. Très très bas. Ok, on va voir enchaînement, attention. 3, 2, 1, enchaînement de poissons. On fait au bas et ça passe. C'est la fin du niveau. Je commence à me réveiller, ça sent là, le skill arrive, le skill arrive. Et 22h11 du soir, le skill arrive enfin. Je suis chaud, on va faire un tournoi, c'est parti. Tournoi Yu-Gi-Oh, c'est parti. 23h. No problème, je suis réveillé. Et maintenant que je suis chaud patate, ben pause. À tout de suite les gens. Courte la pause. Hein.